En anglais, les élèves devaient créer une publicité en lien avec le hockey. Ensuite, on les a filmés. They had a lot of fun and they learned a lot. Ça a été tout un défi pour les élèves de décrire puis d'analyser la partie en direct, mais ils ont été très bons, même malgré leur nervosité. Ça a été vraiment une grande joie pour notre école d'assister à la partie en direct. L'école, la majorité des élèves étaient au gymnase. Il y avait vraiment énormément d'ambiance. Quand on a vu les chandails, nos logos sur les chandails d'une de nos équipes, il y a eu vraiment une vive réaction. Même chose quand la musique a commencé, puisque c'était nos élèves qui l'avaient composée. C'était vraiment un moment fantastique. Cette partie en direct opposait les molosses aux mascoutins. Et ce que j'ai remarqué dans cette partie en direct, c'est vraiment la complicité entre les différents élèves des écoles qui ont participé. L'utilisation des médias sociaux a été une expérience très enrichissante pour les élèves. Ça leur a permis d'exprimer leur opinion de façon respectueuse pendant le match de hockey, qui est une compétence à travailler en éthique et culture religieuse. À l'école Henri Bachand, les élèves ont fabriqué dans le cadre des sciences la boisson de réhydratation Tropas, qui a été servie à la joute de hockey. C'était vraiment une belle expérience pour eux. Je nous trouve vraiment chanceux d'avoir pu vivre un tel projet, puis j'espère aussi que des élèves des autres années vont pouvoir vivre une telle expérience parce que ça nous a permis de faire plein de nouvelles découvertes. Puis je remercie vraiment tout le monde, tous les adultes qui ont participé à ce projet de nous avoir fait intégrer comme ça. Merci.